Eh bien, salut les amis, j'espère que vous allez bien. De ma part, ça va très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire la vidéo invocation sur Chora Supply. Pour les nouveaux, je m'appelle Saga. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et vous me regardez maintenant, je m'appelle Saga. Je fais des vidéos sur Saint-Seiya Awakening et sur Saint-Seiya en général. Et pour les habitués, re-bienvenue sur ma chaîne. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et aujourd'hui, vous connaissez, on fait les habitudes. Les habitudes ne changent pas. La vidéo poule sur Chora Supply. Alors, il y a un petit débat dans la communauté, est-ce qu'il faut le poule, etc. Le conseil que je vais vous donner, c'est que si vous avez un bon doko et une bonne Athéna exclamation, ça serait bien de l'avoir dans la box, mais si vous n'avez pas les deux personnages, doko et Athéna exclamation bien montés, si vous les avez un partout par exemple, l'avoir, on va dire, c'est pas nécessaire, mais ça peut aider. Et on ne sait pas encore, on n'a pas encore testé en GD, etc. Donc on n'est pas à l'abri qu'il peut se placer dans d'autres formations, pas qu'une formation où il y a le saignement, etc. Donc voilà, prenez ces informations en tête et regardez votre stock de gemmes, vos besoins, etc. et votre box et vous le faites si vous le voulez, allez poule sur sa bannière. Si on va dire il n'est pas nécessaire. Vous pouvez skip ou bien faire vos 40 multis par jour. Ne faites pas ce qu'on fait, nous les youtubeurs tels que moi, Elderil ou bien Wesker ou je sais pas qui encore. Donc nous on a l'habitude, on sait comment bien farmer les ressources, etc. Donc ne faites pas comme nous. Ou bien comme Pix qui fait des all-in, etc. Nous on a des stocks de gemmes, etc. Et on sait comment pool et comment. Remonter notre stack de ressources, etc. Un Aldébaran et on a eu un Camus auparavant. Donc déjà c'est la je pense que c'est la première fois où je commence tôt avec des S et ça sent pas bien. Ah, je vous le dis. Oh, les salauds, les salauds. Un Choura normal, les salauds. Ah ouais, ça commence mal. Ça commence mal. Imaginez si c'était le Chora Supply, ça serait vraiment super. Oh! Ah les enfoirés, non, 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 non. Là, c'est beaucoup. Là, c'est vraiment beaucoup. Deux Chora de suite. Ah non, ça sent mal. Ah, je vous le dis, je vous le dis, je vous le garantis. Ça sent mal. Ça sent le shaft. Et c'est ignoble de faire ça. Il devrait l'enlever. Genre, une bannière comme ça. Oh! Un Sorento, que dalle. Dans une bannière comme ça, il devrait retirer le chevalier d'or. S'il y a un surplis, etc., il devrait enlever le chevalier d'or. Ah, c'est pas faisable. Deux Chouras de suite. C'est ignoble ce qu'ils me font. C'est ignoble. Ah, je la sens mal. Malgré que j'ai un bon ton de tour, pas ton. Un beau taux de drop, mais voilà, je sens que ça va partir en shaft. Je le sens et j'en suis sûr et certain. Ce double Choura, ça sent mal. Ah, je vous le dis. J'ai un pressentiment que je vais l'avoir au shaft et je le sens. C'est une habitude. Si vous n'avez pas regardé mes vidéos invocation auparavant, vous allez remarquer que je me fais shafter. Je me fais shafter sa mère en invocation. Et je sens que voilà, le Choura ne va pas tomber. Car voilà. Deux Choura d'or de suite, ça fait mal. Alors. Pas de S à l'horizon. Une multi de merde. Désolé pour le mot. Alors. Qu'est-ce que ça va donner? Oh, un hypnose. Oui, je prendrais bien des hypnoses parce que j'en ai besoin. Mon hypnose n'est pas monté. Il est, je pense qu'il est en 1, 2, 3, si je me trompe pas. Je ne l'ai même pas monté et j'aurais besoin de doublon pour le monter parce que j'aimerais bien le jouer. Et je suis sûr que le prochain RCSS de personnage SS sera celui de hypnose parce que Hypnose a vraiment besoin d'un RC pour revenir dans la méta parce que on le voit plus le Hypnose de nos jours.
Donc oui, j'aurais vraiment besoin de doublons hypnose. Ça me ferait vraiment plaisir. Aussi, non, aussi, si il tombe ou bien Athéna, je dirais pas non. C'est des doublons que j'aurais besoin. Alors, un giganté, presque max. Si je me trompe pas, il me manque, je pense, un skill à monter en 5 et un autre qui est en 3. Les deux autres sont déjà à 5. Donc il est presque maxé. Un aileron de Queen, j'en aurais besoin aussi pour le maxer. Ces doublons vont me servir pour maxer ces personnages. Allez. Code S, hein. Le dernier S que j'ai fait tomber, c'était un Sorento, si je ne me trompe pas. De mémoire, le dernier S que j'ai fait tomber, c'était un Sorento. Puis j'ai eu le Hypnose, puis maintenant, j'ai que dalle. Mais ça me fait chier que j'ai déjà eu deux Shuras, normal, qui devraient être des Shuras surplis. Un autre Hypnose, une Pandore. Un Orphée, une jolie multi. Ah, je vais pas dire non. Un autre Hypnose, ça me fait vraiment plaisir. Donc, déjà, je suis sûr que je vais monter un autre skill. Donc, déjà, ça c'est bien. Une Pandore, j'en ai déjà trois doublons. Donc, celui-ci c'est le quatrième. Je pourrais monter le skill A qui est le skill RC. Orphée, mon Orphée il est en 1-5, 1-5. Donc, je pourrais augmenter peut-être son skill A ou bien son skill 3. Donc, ça me fait plaisir. Ça, c'est une belle multi. Ça, c'est une belle multi. Ça, c'est la multi qu'on aimerait voir. Alors. Pachura. Oh. Un Death Mask. Je le joue pas, mais voilà. Je pourrais toujours pas dire non à un doublon. Parce que j'ai qu'un seul personnage qui est près du 5 partout qui est. Non, c'est deux. Et c'est deux mêmes personnages. C'est Milo RC qui est presque 5 partout. Et le Milo GC qui est aussi presque 5 partout. Donc, c'est les deux Saints dans ma box. Oh, à chacun, merci. C'est les deux seuls Saints qui sont près du 5 partout. Les autres, c'est. On va dire, c'est pas monté au max, etc. Mais les derniers persos, je les ai bien montés en termes de skill up. J'ai bien investi dedans. Alors, Pachura. Ça sent mal. Ça sent mal. En termes de pool, pour que vous saviez si vous êtes encore ici, une doublette, un Shun Nebula et un canon, que dalle. Je vous disais que, en termes d'invocation, si vous faites tomber un personnage S au moins de 350, c'est déjà bien. Si vous faites tomber à 100 ou bien à peu de 100, c'est super et vraiment, je vous envie. Mais en termes de chiffres, si vous le faites tomber à moins de 300, vous êtes dans la norme. Moins de 450, c'est normal. Une autre Pandore, ça fait plaisir. Donc j'ai 5 doublons de L maintenant. Je vous disais que 450, c'est la norme pour l'avoir au shard. Si vous allez à l'excès de 450, là c'est problématique. Là, ça veut dire que vous avez été shafté. Et moi, c'est quelque chose qui m'arrive. Mais je suis, on va dire, assez chanceux. J'ai 20 000 de diamants. Donc, c'est 200 gemmes, 20 000 de diamants. Puis, j'ai encore largement le temps de farmer. Il y a la tour des 108 spectres, les petits défis qui viennent par-ci par-là pour récupérer des diamants ou bien des gemmes, etc. Donc, j'ai largement le temps de farmer et de revenir à un stock qui me permettra de faire un Lucky Cat. J'espère seulement qu'ils ne sortiront pas le Camus en fin de mois. Parce que s'ils le sortent en fin de mois, je vais le skip. Je ne vais pas pouvoir aller pool parce que voilà, je veux toujours faire un Lucky Cat avant de faire des pools. Je ne veux pas faire des pools et ruiner un Lucky Cat. Et je vous conseille de faire le même. Si vous voulez garder un stock, on va dire, moyen de gemmes, n'invoquez pas avant un Lucky Cat.
vous skippez, le personnage reviendra et vous aurez le stack de gemmes pour le repool. Et les personnages qui sortent maintenant sont pas des personnages meta breakers ou bien des personnages qui sont vraiment nécessaires dans la box. Donc vous avez largement le temps. Moi, si j'avais un stock peu de gemmes, je me permettrais de skip Shura et de skip Kame UGC qui viendra après. Garuda, ça peut être toujours utile. Pourquoi pas? Donc voilà. Donc je vous conseille de pull raisonnablement. Et de pas faire comme nous. Moi, j'ai un stock qui me permettra de revenir. Vous, je sais pas l'état de votre box et l'état de vos ressources. Mais j'ai deux vidéos sur la chaîne qui peuvent vraiment vous aider. C'est comment farmer les diamants et comment farmer les shards de Skitom et fait, on va dire, efficacement. J'ai fait, on va dire, le tour de tous les mécaniques, toutes les petites astuces qui vous permettent de gratter ces ressources. Ils sont dans la chaîne, vous avez juste à cliquer et aller les checker et vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Ah oui, il faut vous abonner si vous regardez cette vidéo. Il y a plusieurs vous qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés. Donc voilà, si vous aimez mon contenu et vous aimez me pousser vers l'avant et me donner un coup de pouce, vous avez juste à cliquer sur le bouton s'abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Alors, le Shura qui ne voit pas le jour. Et un autre personnage, Oshard. Donc, c'est pas nouveau, mais voilà. Je vais m'arrêter peut-être à 300 ou bien 350. Et voilà. Je pense que 350, c'est l'optimal. Comme ça, je pourrais refarmer, etc. Puis remonter. Et voilà. Alors. J'espère que vous qui regardez cette vidéo, ou bien même qui ne regardez pas cette vidéo, avez eu plus de chance que moi. Je suis sûr que je vais après faire le montage, etc. et aller checker les réseaux sociaux, Discord, etc. Je vais voir des gens qui l'ont eu en une seule multi, ou bien 10 multi, ou bien qui ont eu une doublette. Il y a des gens qui ont de la luck et voilà, c'est un jeu vidéo donc ne vous cassez pas la tête et ne fumez pas si vous n'avez pas le personnage. C'est normal, c'est un gacha, c'est un jeu qui vous pousse à dépenser et à pool et voilà. Les stocks de gemmes vont disparaître rapidement quand vous faites des pools donc voilà. C'est pas grave. Alors. Des petites singles pour se faire plaisir, pourquoi pas. Puis on ira en retour, on fera le décompte et on verra combien de gemmes j'ai dépensé. Et je vais sûrement aller chercher au shard, mais ça me fait rien, peut-être qu'il tombera. Peut-être que j'aurai un doublon au shard et il tombera, donc ça me fera déjà un doublon. Et puis je vais récolter aussi l'amitié une deuxième fois et ça me fera un autre doublon. Donc ça va. Je vais pas me plaindre et vraiment, cette session de pool m'a permis d'avoir des doublons. Pas des super doublons, mais de bons doublons pour mes personnages parce que j'ai une toute petite box et voilà. Ça va me permettre de up quelques petits personnages. Un Poséidon, voilà. Merci beaucoup. Donc j'ai eu 3 SS, 2 Hypnos et un Poséidon, ça reste correct. Vraiment ça reste très correct en termes de stats, de drop, ça reste correct. 2 SS et 3 SS en 400 pool, je pense que c'est correct. Je pense que c'est largement correct. Et puis j'ai perdu le combien j'ai eu de S. Donc voilà, j'ai eu, on va dire, largement, c'est pas largement, mais vraiment, j'ai eu un nombre assez correct de S pour cette session de pool. Donc je vais pas me plaindre, même si je vais aller chercher Shura en charge, je vais pas me plaindre. Ça restera, on va dire, assez correct. Donc j'ai parlé énormément, et vous, je sais pas comment vous. Quelle est votre réaction? Vous aimez que je parle beaucoup, vous aimez que je parle moins. Donc vous me dites dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez,
Si vous avez des petits conseils à me donner ou bien des petites astuces pour m'améliorer, ça me ferait vraiment plaisir. Il y a aussi mon Discord qui est disponible dans la description si vous voulez me rejoindre. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. Donc voilà, je vais m'arrêter là, on va dire, et je vais faire mes 40 quotidiens. Je pense que demain je vais faire 40 et je pense que voilà, ça sera largement suffisant pour l'avoir parce que je suis près de 120 chars. Donc voilà, je pense que demain ça me suffira. Donc c'était la vidéo pool sur Shura-Sutli. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez eu plus de chance que moi. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous et on se capte prochainement. Ciao, ciao, peace.